En élastique, exercice pour le grand muscle fessier. On place la bande. Vous allez la monter, la bande, au-dessus des genoux. Idéalement, vous allez vous positionner pour être appuyé aussi haut que ça. Les ballons, j'aime bien le ballon pour ça. Ça peut très bien se faire aussi à la hauteur du lit si vous n'avez pas d'objet pour aller pour être positionné plus haut. On place une jambe derrière, une jambe devant. On est largeur. Largeur des épaules, c'est quand même assez bien. Je suis largeur des épaules. Je place une jambe devant, une jambe derrière. Je plie ma jambe au sol et je fais une extension. Mon travail se fait en poussant mon genou vers l'extérieur et vers le haut. Donc, je pousse vers l'extérieur et le haut, extérieur et le haut. Le mouvement se fait à la diagonale pour avoir une tension un peu plus élevée sur la bande élastique et on fait deux séries de 15. Je peux avoir la jambe en extension complète. C'est préférable d'avoir la jambe légèrement fléchie et de pousser le talon vers le plafond. Deux séries de 15 chaque côté. Si vous avez de la facilité, prenez un temps de pause rendu en haut. Contractez les fessiers. Toujours avoir le dos droit et la tête droite. Change de côté. Place une jambe devant, une jambe derrière pour créer une mise en tension. On sent l'élastique qui est en, la bande élastique en tension. Je lève la jambe. Je me positionne pour me sentir quand même en bon équilibre. La jambe au sol, le genou légèrement fléchi. Genou fléchi de la jambe derrière et je pousse le talon vers le plafond. Dos droit, tête droite, rentre le ventre pour contracter le bas du ventre et s'assurer d'avoir une bonne stabilité du bassin et du dos. Et on y va pour 15 fois. Et on vient de faire une série de 15 répétitions. Chaque côté, je prends une pause d'environ une minute.